Eh bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus. On va se refaire une petite partie, pour le plaisir. C'est les débuts de partie hein, qui me plaisent comme d'habitude. Je vais me prendre un chevalier. Un chevalier, ça meurt moins facilement quand même. On va se prendre un chevalier et on va le rename Mitten. Start a new game. Et on va creuser des trucs, on va faire des petites salles, on va essayer de kiffer notre race, tout simplement. On ira dépouiller les paysans à côté assez rapidement. Et on va essayer peut-être de faire gaffe de ne pas prendre de personnes qui sont détestées par nos voisins. Les sœurs vilains, le Red Dragon, les alliés, les sœurs vilains. Mais elle passe sa vie dans les buissons, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, c'est parti. Et t'as pas appris, hein? Tu t'es encore fait avoir. Je dis, c'est noir. Non, c'est pas noir, c'est Nico. Hop, alors on va faire contrôle. Attendez, comment ça? Voilà, ok, ça joue avec ça. Il va falloir qu'on essaye de creuser pour essayer d'atteindre, si on peut, les ressources. Hein. Ils sont là-haut. Et là, on s'éloigne pas mal. On pourrait partir par ici. Ça me paraît bien. Et comme ça, on va partir directement vers le nord. On va se faire une petite pause. Allez, c'est parti. Vous allez me couper ça, les gars. Ouais, c'est... Basiquement, on veut tomber là-dedans, hein. C'est ça qui va nous intéresser. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a des... On va tenter directement, donc là, un petit couloir pour rentrer. On va voir ce que ça nous offre. Ça doit être une caverne. Et ceux qui foutent rien, ils vont venir nous couper un peu de bois. Ça va être super. Et salut Prilcop, comment vas-tu? Ok, les humains sont juste ici, semble-t-il. Là, on va essayer de récupérer le granit et le minerai de fer. Ça, c'est pas chez nous. Là, c'est chez nous. Heureux de voir que tu as respecté le jour de deuil. De deuil de hier. Quel jour de deuil? Je sens que je vais mettre les pieds dans le plat. C'est quel jour hier? Normalement, on va découvrir ce qu'il y a là. Ok, très bien. Goblin Warrior. Ah! Effectivement. C'est quelque chose d'important. Allez, on va couper ça. Et on va essayer de se faire des... J'ai pas pu sortir de mon lit, j'ai failli être hospitalisé tellement j'ai pleuré. Ça m'étonne pas de toi. Ah oui, on va commencer à creuser dans du dur là, ça va être compliqué ça. On pourrait peut-être leur demander le pont. Je vois pas le pont. Goddammit. Là, Wooden Bridge.
Donc là, ils vont mettre un peu de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit storage juste là. Voilà, comme ça. On va pas s'embêter. Insane, non, ça me plaît pas. Je continue mes runs de TA. J'ai failli relancer TA ce soir. Je me suis posé la question. Au final, je l'ai pas fait. Mais j'ai failli. Donc là, vu qu'on a un peu de bois, normalement, ça, on devrait être capable de l'envoyer, non? Voilà. On va éviter de trop la bâcher, je pense que c'est pas une bonne idée. Ok. Et normalement, ouais, ils vont commencer à mettre les torches pour qu'on perde pas de productivité. Entre le dieu de la nuit et la déesse de la nourriture, ramassage pour faire un vrai run histoire. Ouais, je vois ce que tu dis. La nuit, il est vraiment pratique quand t'arrives à choper le Night Stalker, qui est un gobelin amélioré, il est balèze, quoi. Donc je maîtrise les bases. Si tu joues en 350, oui, tu dois les maîtriser, les bases. J'ose espérer. Allez, Wooden Gate ici. On va se faire plein de petites salles partout. Ah, il y a un trou là. Je sais pas ce que ça peut être. GG Baba le Nice pour le level up. Un massage Miguel. La déesse de la connaissance, moi j'avais bien aimé. Non, c'est la mort. La roue, ouais, c'est la mort. Le dieu du soleil aussi, il était. En fait, les trucs. Si t'arrives à avoir une équipe qui fait pas que de la. Alors, faut bien sûr avoir des soldats pour pouvoir encaisser si jamais, si jamais tu te fais attaquer de façon trop violente, mais si t'es capable de faire les autres défis, t'as quand même beaucoup de. T'as beaucoup de trucs qui sont bons, quoi. Salut regard, comment vas-tu? Je pars 350 départ ramasseur. J'aimais bien ce départ, franchement. Je le trouvais bien cool. Alors, est-ce qu'on n'a pas des structures qui pourraient être intéressantes? Donc c'est bien de la flotte qui est ici. On a peut-être un pont à faire là. Le wizard me plaît bien. Mais si on peut avoir les iron ore assez vite, pour augmenter la puissance. Si je fais les chambres là-dedans, là, dans le mou, ça peut être pratique. Hein. Il y a Arcadio qui cherche des joueurs pour son clan DSS pour le tournoi. Alors, je pense que ce mec, il cherche des gens qui ont déjà fini le jeu au moins une fois, tu vois. C'est pas réellement mon cas. Là, je me suis aussi posé la question pour du DSS ce soir. Order, fetch, prioritize. Hop. J'aimerais bien récupérer le métal qui est ici. C'est ça qu'on aura le plus besoin après. Là, voilà, parfait. Alors la question, c'est comment je m'organise. 5 clans de n'importe quel niveau. Oui, mais j'ai pas de niveau. Donc il est commissaire politique.
Ouais. Putain, plus de dommages, plus de défense. Lui, il est balèze. Hein. Bon, en tout cas, c'est gentil. Je vais me pencher sur la question, mais ça m'étonnerait. Mon quotidien ne supporte que très peu de contraintes, à part celles que je les mets. À part celles que je mets moi-même. Tac. On va... faire un petit dortoir ici. Hein. Order. Là, on fait le dortoir. Là, on fait l'entraînement. C'est-à-dire qu'ici, on va être capable de mettre Wooden Dummy. On n'a pas la technologie de sorcelle. Tu rigoles ou quoi? Va falloir qu'on pète des gueules. Je ressors un sous-stream. Ok, d'accord. Écoute, amuse-toi bien, Roga. Faut de l'artificier. Hein. Installation. Quelques torches. Ici, là, pourquoi pas. Ça c'est bien, on éclaire tout. Non. Là oui. Et on va s'amuser à mettre, bien sûr. On va commencer à recruter un petit peu, gentiment. Continuer de bosser là-dessus. Je pense qu'on va se faire l'entrepôt par là. Ça va être bien. En fait, on va... Comment ça s'appelle? On va déprioriser... Là. Voilà, ça déprioritise ça. On n'a pas enlevé la priorité. Bon, c'est pas... On va laisser finir ça. Juste s'enlever l'ordre. Là. Comme ça, au moins, on va terminer le nombre de pièces qu'on veut. Ils vont commencer à construire parce qu'il y a des trucs qu'on gère bien qu'ils construisent. Extra archerie potentielle. Est-ce que c'est réellement important pour moi? Huit, on est limite à 10 de population, on va la faire monter assez vite quand même. Ouais, j'ai dit qu'on allait stocker ici, ça pourrait être intéressant qu'on fasse donc ressources. Là, on va mettre de l'équipement de l'autre côté. Quoique si on a vraiment besoin de mettre de l'équipement de l'autre côté, si on met que ça en équipement, ça devrait suffire, et après on va mettre du structure.
Et d'un point de vue storage, on enlève ça. Voilà. Donc là, on est considéré comme n'ayant plus de ressources dans notre Tessie. Ok, on va réduire un peu la taille de ce qu'on veut faire. Gold pour les petits diablotins en plus. Il nous restait ça à récupérer. Ça, on aura récupéré tout ce qu'il y a à récupérer au premier étage. En plus, on est suffisamment enfoncé. Ça me plaît bien, là, le fait d'être aussi loin. On pourra pas avoir de mecs qui viennent facilement creuser là. Le plus simple sera de rentrer ici. On est suffisamment en profondeur, je trouve. Alors, light up. Ouais. Donc on va laisser construire des trucs. On va mettre des torches un peu partout. Ça c'est bien. On aura une ici, une là, beaucoup de torches et donc. Ça c'est bien. Ça se range. C'est en train de déplacer le bois. On va pouvoir donc les regarder construire les wooden dummies. Et on pourrait avoir nos premiers artificeurs. Ah mais on a même pas de basic bed. Il en faudrait deux gobelins. J'aimerais bien qu'ils rouillent le cul en fait à faire au moins les lits. Ceux-là, s'il vous plaît les gars. Merci. Ok, on a deux gobelins. Donc là, on va pouvoir commencer à donner nos ordres. Ok, d'accord. Ok. On est peu mal. Hop là. Salut Oref, salut Delior. Mais quel est ce jeu? Ça s'appelle Keeper RL. C'est un jeu de... On est les méchants, on est un vilain. Là je suis en train de m'entraîner, d'ailleurs c'est pour ça qu'on entend le bruit. Et en fait on va essayer de... Sur la map monde, on va essayer de tuer tous les... Alors main vilains, donc c'est des gentils. Quoi, les cyclopes sont moyens gentils. Mais en gros on doit affronter les autres factions principales, les tuer tout simplement. Et nous on est des méchants, donc on va essayer de faire des morts vivants, on va essayer de crafter tout ça. Storage, armor rack. Je vais en faire ici. Storage, weapon rack. Ici. Storage, bow rack. Ici. Storage,
Comme ça, ils vont pouvoir les ranger dessus. Ça va nous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de la place. Scroll shelf, storage. On n'a pas assez de bois, hein. C'est pour ça que c'est en rouge. Potion ici, storage, jewelry. Et on va faire. On va se faire une petite pièce hein, pour des graves. Là, et on va mettre des tombes ici. Et ça va au ref. Donc là, ça pionce. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut recruter tout ce qui arrive à gauche. Donc c'est les gens qui se baladent près de chez moi. Donc là, il y a un... Je vais le prendre. Goblin Warrior, il est bien. Il y a un prêtre. On peut pas parce qu'on n'a pas les bibliothèques, tout simplement. Et quand on aura les bibliothèques, on pourra les recruter. Pour avoir les bibliothèques, il faut que je fasse un peu de recherche. Pour ça, il faut que je tue des ennemis. Donc là, j'attends qu'il y ait de l'équipement qui tombe. Ils sont normalement en train de produire de l'équipement. Hop. On va leur dire de venir couper tout ça, là. Là, on est bon. La question que je me pose, c'est... Normalement, je crois qu'ils ont accès ici, hein, pour... si je donne un ordre de priorité. Je pense que lui va le faire. Non, même pas. C'est la question que je me suis posée, c'est de, est-ce que ces meubles-là gênent Sword Chain Armor? Donc là, on a le Goblin Warrior, et en fait, on va lui faire en Restricted Gear. Je veux pas qu'il aille au-dessus de trucs en fer. On peut prendre des trucs à distance, consommable, il peut. Et là, on est bon. En révision encore, sur Fallout Shelter. Et là, on va faire One Sword, One Chain Armor, One Iron. Ça va me demander quand même beaucoup de ressources. Ça, c'est de temps en temps. Je comprends. Putain, d'ailleurs, si ça t'intéresse, Wouref, j'ai commencé à préparer une campagne pour Bolt Action, pour faire des parties. Je sais pas si je veux faire des rapports de bataille dessus, mais si ça t'intéresse de... Putain, il est fou, ça m'intéresse pas. Si ça t'intéresse de voir, j'ai fait un site internet dessus pour justement répertorier un peu les différents scénarios, les armées en présence, tout ça. Et je sais que c'est le genre de truc qui parfois te botte. Donc si tu veux, je t'enverrai le lien sur... comment ça s'appelle ? Je t'enverrai le lien sur Discord. Ouais. Après, c'est avec les gens de mon club de Wargame. Mais j'ai jamais joué. Bah, c'est cool, moi j'aime bien. Donc là, ça s'entraîne, ils sont en train de construire tout ça. Là, on va se libérer de la place. 430, ça c'est cool. Donc là, on va partir du principe qu'ils peuvent pas faire autrement. On a moyen de déplacer. Donc a priori ça bloque. Ça m'embête. Ça m'embête. Ouais, donc ça a priori ça bloque. On va faire ça. Ça va les occuper un peu. Une harpie. Un ranged weapon. Mais j'ai pas l'archerie. Bon, il y aura pas de harpie pour l'instant. Pour les gens, là, j'ai trouvé une équipe de X-Wing. Peut-être les rejoindre. Ça serait cool, ça. Qu'est-ce qui a pris le cop? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les X-Wing? Et le cop, tu râles beaucoup en ce moment. Tu es en manque de personnes dans ton goulag pour te passer les nerfs, c'est ça? Rage, Graves. Je vais foutre là. Installation, torche. Un autre Goblin Warrior, on va le prendre. Tout le monde sait que l'avenir, c'est l'Empire. La base. Ah, moi, je sais pas, ils sont en train d'essayer de faire du forcing pour que je me mette à Star Wars Légion. Ok.
On a construit tout ça, donc ça c'est bien. Weapon rack, les armures. Malgré tes origines germaniques. On va leur dire, demander de faire tout ça. Le son est hyper fort, j'ai l'impression. Peut-être qu'il est juste trop fort dans mes oreilles. Hein. Ouais, ça me paraît cool. Alors, on va se faire une team avec lui et eux. Après, on avait pu voir que les Goblin Warriors, étaient, à la fin, pouvaient être quand même costauds. Chez nous, il n'y a pas de commu dessus non plus. Ah, attends, si, je pense que tu as des commus dans ton coin, voyons. Moi, j'ai cherché sur Internet pour les trouver. Bien qu'ils s'équipent pour de vrai, du genre qu'ils se prennent de l'équipement en acier ou en fer, à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait pris. Wooden, ok. Beaucoup d'artificiers, hein. Tu m'as renommé une troupe? Non, je t'ai pas renommé une troupe, je voulais te prendre un prêtre ou un chaman. Mais si tu veux, je te passe un... Je vais te passer un artificier si vraiment ça urge pour toi, parce que j'ai pas... Les gobelins, ils vont mourir. Quoi, les combattants, ils vont mourir. On a quelques brigands à aller nettoyer. Il y a trop de fer, mais moi j'arrive pas à suivre le méta, c'est du non-stop tournoi. Ouais. On peut être un peu, c'est bien. Je crois que j'aurais pu faire ici mon stockage, hein. Ça aurait pas été déconnant. On pourrait se faire quelques coffines ici. J'aime pas comment j'ai organisé ça, mais bon. Pas mal, hein. 27 en défense, on monte à 35 en attaque, et on a une petite défense contre l'encerclement, pas beaucoup, mais on a une petite défense contre l'encerclement. Là, d'ailleurs, c'est belle cool, Fighter. Un Goblin Warrior, ouais, on en prend un autre. On va commencer à réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire. Dungate, ici. Installation, torche. Là, on est pas mal. Et là-dedans... Que je récupère des goldes. On préfère la fountain. Là, ça serait pas mal. On va se mettre des petits poteaux pour fouetter.
Et on va se mettre un sol. J'aimerais bien mettre un sol. En stone. Un truc un peu classieux, quoi. Et on va mettre des lunch table. Dining table. On les mettra au fond. Il nous manque un peu de bois. On a tout, on est en train de couper. On a tué un paysan. Oh, j'ai même pas fait gaffe, dis donc. Ok, ça continue de creuser ici. Là, ça avance. On va voir normalement nos premiers zombards à arriver. J'aime bien cette strat là où on se dit on se met quelques zombies qui gardent l'entrée en permanence. Ça va être rigolo. Smelly Breath, on s'en fout. Goblin Warrior, on le prend. On a combien? 7. On va se mettre du laser là quand on aura fini. On a une petite zone d'ombre ici. Et ça, ça nuit à leur morale. Ils aiment bien être dans un donjon éclairé, voyons. On voit où on met nos pieds. Pas mal. Ça commence à monter gentiment. Club plus 5, ouais. 19 plus 5. Shorebors, il commence à tâter un peu. Hein. Il a 31 en puissance. Ok, Shorebors est à l'épée. Et eux, ils sont au club. Et le keeper, il est à l'épée. Wooden, helm. Ok. Il va falloir que je crée un peu plus d'équipement. Avec plus 8, hein, l'épée. Au lieu du pauvre plus 5 que nous offre le... Can't see in the dark, on s'en prend un de plus. Allez, on est des fous, on est des fous. Là, normalement, on est à la population max, il nous faut un peu plus de lits. On avait encore un lit dispo. Ah, peut-être que moi, je compte... Ouais, non, je vais pas compter pour reprendre des lits. Alors, Flore. On va se mettre en living dining table. On va se mettre une petite statue entre qui augmente. Pas que par 0,3, dommage.
Et ça augmente notre, notre limite. Le eyeball m'intéresserait bien. Ici. Juste voir ce qui se passe à l'entrée de temps en temps. Et Link Totem, il va falloir qu'on gagne des sous. De toute façon, il n'y a pas de... Il va pas avoir 10 000 choses à faire, là. Il va falloir qu'on pète des gueules et qu'on gagne des sous. Grosso merdo. Ok, pas mal. On a combien de types? On a 6 warriors, plus moi, on est à 7. En demander 10, ça va nous en prendre 200. C'est beaucoup. Permettre de creuser un peu là maintenant. Pas beaucoup, hein, juste un peu. On va rajouter une petite ligne de lit. Ça me paraît bien. Et là, il faudrait qu'on atteigne ça. Je sais pas trop ce que je vais foutre dans cette salle pour l'instant. Copenping, ouais, ça on verra ça plus tard. Smidge Breath, on s'en fout. Goblin Warrior. Ouais, on a atteint notre limite en lit. On va falloir qu'on augmente un peu. On pourrait en prendre deux de plus en plus. Hein. Living, Basic Bed. Là, ça va être le bon gros dortoir des familles. Hein. Si on peut le valider avant qu'il s'arrache. Ah merde, Woodland Training. Demi. On va pas pouvoir le recruter celui-là, c'est pas grave. Hey. Ah non, il nous faut le... Oui, ok. Bah, je pense qu'on va aller prendre notre petite équipe, là, hein, tout simplement. On va être 6 nains, on va être les 7 nains. Avec le keeper, et on va leur péter la gueule. 35, 31, 28, ouais, on a un peu de puissance quand même. Hein. Défense, on est à 30. Défense, on est à 30. C'est peu mal. Ah, c'est ça, le parry. Plus un. Avec le, s'il passe en iron, on en aura plus, quand même. Ils vont nous produire les shields, maintenant. Je pense que ça pourrait être bien qu'on vire ça et ça. Ça serait plus propre, d'un point de vue visuel. Il suffit juste de déplacer le fer, les gars. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va juste se permettre de mettre... Ah, quoique l'équipement... Au centre. S'il faut, on peut poser de l'équipement au centre. Attends, vas-y, fais voir un peu la puissance. 16... Ok, on va se prendre la team là. Contrôle. Allez, on y va les filles. J'ai 2 épées dans mon inventaire. Je suis un peu un schlag moi. Oh la vache, c'est parti. Donkey, non, c'est pas le donkey que je veux moi, c'est...
16. 16 de défense, 19 d'attaque. Ouais, d'accord. Évidemment, ils vont s'enfuir. Hein. Bon. Au pire, on viendra la nuit, on viendra te tuer la nuit, hein. You are going to regret this, t'es sûr? Yes, on les a eus. Laisse revenir là. Alors, on a level 2. On a un item de available. On va faire l'archerie, la sorcerie. Et avec la sorcerie, ici, on va pouvoir mettre des... Oh, oh. Oh, il est fort, celui-là. Je le veux. Et on va pouvoir faire, donc, librairie... Et j'aimerais bien qu'on fasse en plus. Advanced Sorcery. Oh, ça va, ça va. Yes, on va voir Shamob, The Goblin Wizard. Que je vais rename en Prilcop. Ok. On va s'en... Ah putain, il va me falloir plus de... Putain, ça me prend masse... De toute façon, j'ai le droit d'en avoir que 4, hein. 250. Oh, ils sont en train de... C'est génial. C'est génial. Storage, on va se faire une salle du trésor. Ça me paraît adéquat. Donc on va la foutre la salle du trésor. Ouais, très bien. On est bien là, c'est clair. Ils ont le temps de s'amuser et tout, c'est cool. Lui il s'entraîne. Par contre. Le fait qu'il ait pris l'épée en métal, ça me gêne un peu. Je vais être honnête, ça me gêne un tout petit peu. Faudrait qu'on ait pété la gueule à quelqu'un d'autre pour récolter des puntos en plus, des puntals. Si jamais je fais un truc comme ça, on va dire qu'on part d'ici là et on fait ça. J'ai le droit ou pas? J'en veux pas. Ouais, on va dire que j'ai le droit. Écoute, je sais pas. On va se mettre une iron door. Et on va faire du storage treasure chest. Installation torche. Clac, clac. Et là, on va être bien.
Et avant l'entrée, on va se faire une petite Iron Gate. On voit qu'on puisse se regrouper avant que les ennemis arrivent. Par contre, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que le coffin, là... qu'on creuse, qu'on aille un peu plus profond aussi. On préfère du living pour les animaux. C'est un peu mal, j'aime pas comment c'est disposé, mais bon, là, j'ai un peu foiré cet espace-là. Je préfère peut-être que je le rebosse à terme. Normalement, quand j'ai des coffines et que j'arrive à avoir de ça là, au corps, j'ai pas moyen de. Ah non, j'ai même pas moyen de le récupérer. Je sais que normalement j'ai moyen de récupérer ça et ça me permet d'avoir des zombies justement. Qu'est-ce qui se passe? Les variations de son me font très très peur dans le jeu. On va se balader un peu avec la team. Quête. Alors, 13 de défense, 19 d'attaque, 37, 31. Oui, on est solide. On a un peu moins de défense que les gobs. Alors, on va les laisser discuter un peu ensemble. Et là, on ramasse tout, normalement. Voilà. On ramasse tout. Donc là, on a du cadavre sur la tombe. Et ça va nous donner accès à... Voilà. Robert the Vampire. Roberto. Je le veux, Roberto. Donc on va claquer ce qu'il faut. On va mettre ça là. On va mettre un petit truc ici. On va leur dire, c'est un peu important, les gars. Vous me le faites vite. Vous me le faites de suite. Il faudrait que je fasse un petit totem du soin aussi, peut-être. Voilà, on va le faire ici. Bien sûr, on n'a plus de bois. Et le bois, on va le récupérer.
Donc là, on a Robert, le vampire guerrier. Robert, la pute basque. La pute basque. Ok, ok, ok. Et on va le laisser s'entraîner gentiment, Robert. Je pense qu'on va faire la descente ici. Et faut qu'on trouve de quoi avoir des pièces d'or, hein, tout simplement. Et on a moins 56 en pièces d'or. Comment ça se fait? Cannot afford item. Ah, c'est peut-être ça qui est payant. J'ai pas fait gaffe. Oui, oui, c'est, ça c'est payant. Ok. A priori, il y aura rien d'autre à cet étage-là, mais là, ça me permet de récupérer de l'argent. Là, il y aura peut-être... c'est peut-être un couloir ici, ça c'est possible. Donc là, il a 20 de base. Ils sont à combien, les gobelins? 23. Sachant qu'il n'a pas subi d'entraînement. Lui, ils ont le plus 7 d'entraînement, donc c'est-à-dire qu'il commence à 16. Et lui commence à 20. Donc normalement, il va avoir le droit à combien d'entraînements? Limité 7. Donc il va être à 27 plus 7. 34. Plus 7, 27. Et après, il portera son arme. Ouais. 4 points de différence avec les gobelins. Et en défense de base 7 aussi, de moins, donc ils ont commencé à 19. Lui, il commence à combien? Training. Il a plus 4 en fait. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment beaucoup plus fort que les autres. Pour moi, un vampire, c'est vachement plus fort qu'un gobelin quand même. Ouais. Robert, oui, bah on recrute qui on peut. Voilà. Que j'avais à dire. Lui, j'aurais bien aimé le recruter. Là, on va en mettre deux ici. Installation, torche. On va prioriser. Parfait. Parfait. Et en fait, ça nous permet de prendre celui-là. On est pas mal. Et ouais, il est limité à 11 à l'entraînement, ça c'est cool. Donc 31, tous nos gobelins sont à fond. Et on va les laisser bosser gentiment. Manque Johnny et Marcel et on est pas mal. Serait-ce de la jalousie que j'entends là? C'est pas beau d'être jaloux.
On va aller visiter les. On va se mettre le gobelin wizard, on a les 7 goblin warriors. On va se mettre le priest. Une belle team. Vampire, on va se laisser. Contrôle. Le wizard avec son épée, il me fait un peu peur. Je me dis que normalement, il devrait peut-être, je sais pas, gérer ça différemment. Il n'y a pas des spells. Oh, c'est parti. Ça reste du petit bandit, ça, on peut... Ok, on est pas mal, on est pas mal. Peut-être faudra qu'on se casse par contre. Ça, si c'est des nains. Ça va. Celles-là, elles sont pas trop costauds. Ça tape déjà 36, ça tape beaucoup plus fort. Hein. Heureusement, nous aussi, on tape plus fort. Ah, la queen direct, 42. On va essayer de la capturer. Oh, putain, elle m'en a tué. Hein. J'ai failli mourir. On n'a pas réussi à la capturer, dommage. J'aimerais bien qu'on me soigne. Oh non, je suis mort. Du poison. C'est pour ça qu'il faut pas que je me balade avec mon type. Oh, mais je suis nul à ce jeu, c'est terrible. C'est vraiment terrible. J'ai pas vu que j'avais une... Mais pourquoi? Pourquoi? Après, je m'en suis bien sorti, j'ai fait 1600 points. Oh, putain. Mon dieu, ça me donne envie de pleurer, tout ça. Bon, bah, ça aura été court, mais intense. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, hein, comme d'habitude. Je vous dirai bientôt pour la suite de nos aventures. On va s'arrêter sur cette défaite terrible et le jeu vient de cracher, semble-t-il. En tout cas, là, il y a mon PC qui est en train de rouler, de tourner, de pédaler. Ouais, des messages d'erreur, là, dis donc. On va s'arrêter là pour ce soir, en tout cas. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Hein. Retourneras-tu pour se refaire péter la gueule? J'aimerais bien être capable de valider une partie de façon un peu plus solide. Oui, j'ai perdu, je me suis empoisonné par des fourmis. J'ai pas vu que j'étais empoisonné, j'étais en train de patienter derrière mes troupes. Et le poison a fini par me rattraper. Donc voilà, donc, je souhaite à tous une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et voilà, bon, ça vient de cracher. À bientôt tout le monde, bye bye.